Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 30e épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, on venait de se quitter après une magnifique infiltration, je dois dire, aux côtés de Lave et de Abby, comme d'habitude. Je sais pas combien de temps va durer cette section avec Abby. Ça commence à durer depuis pas mal d'épisodes. Après, faut dire qu'on avait fait une bonne moitié avec Ellie aussi. Mais bon, Ellie, on nous avait annoncé que c'était le personnage principal. Abby, c'est une surprise. Où je dois aller là, mon ami? Est-ce que tu veux m'aider? Peut-être par là. Je pense que c'est par là la suite. Oh! Eh non, on prend pas l'arme. La petite feinte, on prend que les munitions. Alors, fais voir un peu. Très mystérieux. Faut dire que là, on est dans une phase où on essaie d'être discret. Bon, on va où maintenant? Attends, laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. Les séraphites sont donc descendants de singes, tout comme nous, mais bon. Ah! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tuyaux explosifs. Très bien, ça. Ça tombe pile poil. Par contre, on n'a plus que 9 stimulants. Ça commence à faire très peu. En même temps, le truc, il coûte 39. Je crois, il coûtait à peu près 30. Et on avait 39, si mes calculs sont bons. Oh! Tu viens d'apparaître, toi. Attention, hein, le jeu. Je sais bien qu'on est plus au début, que t'as plus besoin de nous séduire, mais quand même. Fais gaffe à ce que tu fais. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être que mes yeux se sont habitués et tout ça, et que vous le verrez pas tellement avec la compression YouTube. C'est mais... un monde charge. Ouais. Mais est-ce que le jeu a besoin de faire tourner et de faire souffler autant ma PS4? Tu vois, je me pose des questions. Parce qu'en soi, il est beau, ouais, mais... Faut que tu baisses la porte. Quand même. Je peux te donner un conseil. Oh, c'est pas vrai. Essaie juste de penser au bon côté de ta peur. Au bon côté? Ouais, bah, tu cours plus vite, t'es plus concentré. Putain de merde. Tu ressens moins la douleur. Toutes ces sensations, les mains moites, le cœur qui s'accélère, tout ça montre en fait que tu deviens plus forte. Donc, quand t'as peur, dis-toi plutôt que ton corps est en train de se mettre en condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. C'est très beau ça, bravo. Ah oui, il faut regarder en bas pour ouvrir. J'ai pas trop compris ce qu'il essayait de nous dire, mais... yes, pourquoi pas. Après tout... Tiens ça, de la prophétesse. Ouais. Après tout, il... Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ben voyons. Y a rien de ce côté-là. Je me suis dit, c'est un bout de tissu vachement solide. Hein. Donc là, c'est toutes vos planques et vous avez rien. Ouais. Par contre, on est tellement haut, on voit plus rien. Ok, ici, on risque pas de trouver une pièce de collection, à mon avis. C'est quoi? Ah, de la poudre à explosif. Et c'est ouvert, là? Oui, c'est bon. On n'a pas besoin de faire du bruit, en plus. Fais voir un peu les décors. Attendez. Ah ouais, là, ma PS4 souffle moins. Étrangement. Ils ont besoin de charger moins de choses. Du coup, elle est un petit peu plus tranquille. Bah, il n'y a rien. Hein. Contre toute attente. Peut-être de l'autre côté de cette magnifique rangée d'escaliers. Ce colimaçon, dirais-je même. Ça devait être cool ici à l'époque. Même si ça n'a pas l'air d'être fini. Souffle par ici. Niveau de travaux. Oh, waouh! Ça, c'est beau!
Là, oui. Bon, c'est du précalculé, mais tout de même, c'est beau. Je sais pas trop où je vais. Y a des trucs sur C'est mon quoi ce écran. truc? C'est la passerelle. Lève. Suis-moi. Putain. On y va doucement. Je sais pas si je vais y arriver. C'est plus facile que ça en a l'air. Ah oui, d'accord. Ah, faut passer ici. Ah, je pensais pas, moi. Il va falloir jouer avec l'équilibre. Mais ça va être énorme, ça. Les gens passent souvent par là? Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas le chemin le plus emprunté. Bah, tu m'étonnes. Évite juste de regarder en bas. En même temps, le truc tient juste sur des planches. Hein. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, sur le côté. Je me suis dit, je vais pas sauter quand même. Ah, ça pourrait être un bon Comment plan pour Ellie. Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Quoi? Non, rien. Ça coule. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance! Il est malin, il essaie de lui changer les idées. En lui parlant de quelque chose qu'elle aime. C'est stylé, hein? Oui, je disais, ce serait pas mal comme avantage pour Ellie. De se battre en hauteur, du coup. Elle serait pétrifiée. J'ai réussi! Allez, viens! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. On va rien dire. Pas encore. On va rien dire, les textures qui chargent là. Je crois que tu vas bientôt changer d'avis. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. Ça va être magnifique, c'est ça? Oh putain, lève! Tout va bien se passer. Regarde-moi. Putain. La tête qu'elle fait. C'est énorme. Ah là, pour le coup, elle ressent la peur. C'est périlleux, n'empêche. Oh, merde. Putain. Ce qui est étrange, c'est qu'ils me disent de faire l'équilibre, mais je maîtrise pas vraiment ce qu'elle fait. C'est bizarre à expliquer, mais... Comment tu fais pour pas avoir peur? Et me parle pas de la prophétesse. J'ai jamais eu peur du vide. T'as peur de quoi alors? De l'océan. Des chiens. Bordel de merde. C'est cool, ça commence à se dégager un peu la vue. Par contre, ouais, c'est haut. Oh, c'est pas vrai. T'y es presque. Oh, putain. Tiens, regarde, on peut voir l'hôpital maintenant. Oh putain. Oh putain. Concentre-toi sur moi. J'y arriverai pas, Lev. J'y arriverai pas. Mais si, tu vas y arriver. Je te dis que non. Si, tu peux. Allez, la véritable force. La véritable force. La véritable force. Ok, en fait, si je lâche... Ah, oh, vraiment? J'allais dire, si je lâche, je tombe à tout moment. Utiliser pour retrouver l'équilibre. Mais je comprends pas comment ça marche leur truc. Parce que je suis obligé de pousser le joystick vers l'avant. Ah, peut-être que j'y allais un peu trop vite. Ah ouais, elle a un pied dans le vide limite. En fait, c'est cette caméra qui me perturbe. Oh, Katie, presque. C'est dur. C'est le gameplay le plus dur. Tout doucement. J'essaie de pas regarder en bas, peut-être que ce sera plus facile. Allez! J'ai la tête qui tourne! Merde! Tiens bon! Remonte-moi! Remonte-moi! Ah, c'était prévu. Je me suis dit, oh merde, c'est ma faute.
C'est ma faute encore ou quoi? Tu es prête? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est bon. Par où maintenant? Je sais pas. Et comment ça? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Toujours pas de Marco Polo. Bien dommage. Nous sommes au hôtel Black Ray. Ah, mais ce serait pas l'hôtel où Tommy a commis ses méfaits? Y'a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Y'a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Bah, on vous doit un petit peu la vie, parce que sinon on serait resté accroché, sûrement dévoré. Oh, mais t'es chez toi, Abby. Sûrement dévoré par des clackers et tout. Ok, je sais pas s'il va y avoir une interaction particulière, vu que c'est une salle de sport et qu'elle est relativement musclée. Il y avait autre chose ici? Ah putain, il est là. Bien caché, lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Un silencieux, très bien. Et regardez, j'ai trouvé un détail quand je regardais un let's play. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Regardez. On voit à travers la bouteille, en fait. Je sais pas comment vous faire ça. Je sais comment je voulais vous montrer. Regardez. Ils ont fait le détail de la transparence. En fait, on peut apercevoir à travers la bouteille. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon. Souvent, c'est des petits détails comme ça qui servent pas du tout, voire un petit peu... voilà, histoire de dire, regardez ce qu'on sait faire. Mais c'est sympa. C'est toujours sympa de remarquer les petits détails comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien regarder, il y a une chaîne YouTube qui répertorie justement tous les détails. Et ça m'amuse de les découvrir avant de regarder les vidéos de cette chaîne. Oh, tiens tiens. Eh ben on est parti. Et voilà. En fait je pense que maintenant je vais faire tous les coffres de cette manière. C'est cool de trouver toutes les notes, mais si je peux les faire comme ça, ce sera bénef pour moi. Alors... On n'a pas de truc trop précieux en même temps. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait des cafards. Ça me rappelle Batman Arkham. J'aimerais bien refaire les Arkham maintenant que j'ai un, disons, entre guillemets, un meilleur matériel. Tu veux pas ouvrir? Pour réduire l'écho et on tout ça. Par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'hôpital. Cadavre. C'est l'un des tiens? Non. Regarde les vêtements. Tiens. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. J'aurais voulu pouvoir fouiller plus, mais je savais pas que derrière cette porte c'était la suite. Ils avaient pour ordre de nettoyer l'immeuble. Ouais. Lev, il est désinfecté dans ce bâtiment? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors... J'en sais rien. Bah c'est sûr qu'il va y en avoir. Si eux tous, il va même y avoir des sports.
Vu que le mec a un masque. Ouais. Je suis pas assuré là-dessus. Je dois bien l'avouer. Fais voir. Ouais, c'est obligé qu'il y ait un fight là-dedans, quoi. On nous donne des balles depuis tout à l'heure. 4. C'est pas dingue. C'est mieux que rien, disons. Hop. Je vais prendre ça en priorité. On peut descendre. Non, on peut pas. Donc c'est bien par ici. Ok, 19e étage, c'est quand même haut, hein. Des sports. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte alors. Bon. Ouais. Mais il y en avait un sur le cadavre dans les escaliers. On va se faire embrouiller, hein, clairement. Clairement là-dessus, on va se faire embrouiller. Ouais. Ce serait trop facile qu'on trouve un masque dès la première pièce en vrai. Bah toi, t'en as pas. Ah oui, je me disais bien, j'ai vu un truc briller quand même. C'est pas Jimmy brillant, mais tout de même. Ce côté du lit, rien. On va garder l'arbalète au cas où. Si elle a besoin de faire un petit réflexe discret, tu connais. Ça pourrait nous sortir de la panade. Ah, tu veux pas escalader ça? Moi, ouais, je comprends. C'est ton choix, écoute. Non, mais... Il va se passer quelque chose ici. Il va se passer quelque chose, moi je te dis. Ah oui, il y a des tout petits sports. En fait, ils sont plus discrets qu'auparavant. Merde. Toi, reste là-haut, ok? Là-haut? Comment ça? Ok, pas mal de munitions là-dessus. On est à 6. 6 morts, donc. Garci mort, peut-être. Je suis assez anxieux là-dessus. Ah, ça me fait ça à chaque fois que je découvre une nouvelle zone, je suis en mode mais où est-ce que je peux aller et... Oh, je perds les pédales. Et où est-ce que je ne peux pas aller surtout? À mon avis, je suis un petit peu trop détendu. Enfin. Bute-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Là, il y a quelqu'un. Putain, ça craint. Mais comment je fais, moi? C'est sûr qu'il va être dans cette pièce. Vu que c'est la seule partie de la zone qui est verrouillée. Ne me dis pas qu'on va avoir un chambleur encore. En même temps, le son dans mes oreilles est pas très très fort. Je m'étais dit peut-être que je jouerais avec des écouteurs pour entendre beaucoup plus fort. Mais le truc c'est que le micro des écouteurs est pas dingue. Donc je fais comme ça et quand j'aurai trouvé une solution, je ferai autrement. Toi c'est bon? Il a l'air bien celui-là. Ouais. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, lève. Non, non, non. Ça peut pas être aussi facile que ça, là. Vous nous avez pris pour qui, Naughty Dog? Oh, oh, oh! Moi, j'ai fait quasiment tous vos jeux, hein. Bon, sauf les Crash Bandicoot. C'est pas trop mon style, mais bon... m'en veuillez pas. C'était quoi, ça? Ah, merde, une bouteille, ouais.
c'est qui a fait ça? Quelqu'un là-dedans? Attention, hein. Non mais ils viennent d'où eux? Ah, tu meurs pas. Il y en a d'autres, je le sais. Je sens que je vais me faire arnaquer sur la marchandise. Surtout que là, j'ai, entre guillemets, gâché... Mais arrête, toi. Ah, la caméra! Vous avez vu comment la caméra a tourné d'un coup? Genre, c'est choquant, non? Putain, ils vont tous venir par là, maintenant. Bah, moi, je les attends, hein. Je vois pas pourquoi je m'embêterais, moi. Ah, d'accord. En fait, si j'y vais pas, ils vont pas venir. C'est ça le... C'est ça votre délire. Elle est encore là-bas, elle. Je vais me prendre un screamer. Mais non, mais là t'abuses. Attends, mais eux c'est vraiment les pires, hein. Putain, ah pardon, je me gourde de touche. On va faire ça aussi. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Boum. Là on est chargé, hein. Sinon je cours en fait. On s'en fout, non? Ah ouais, non, on s'en fout pas. Putain, mais eux c'est vraiment les boss finaux, non? Ils sont trop forts. J'ai plus qu'une cartouche enflammée, je sais pas comment les appeler. Ouais, moi je loot alors que je suis en conflit. Mais où est-ce que je suis là? Je suis jamais venu ici, moi. Si? Je suis un petit peu paumé. Non, 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 sors de là. Ça c'est fait. Bon. Ils sont vraiment trop chauds. C'est terrible. Ils sont beaucoup plus difficiles à cerner parce que ils font pas de bruit. Je suis déjà venu ici, moi. Non, il me semble pas. Ou alors c'est pas les mêmes pièces que je découvre. Parce que... Attends, je suis pas passé à côté de tout ce loot. Ah non, c'est là que c'était fermé, ok. Ah, je me suis dit sinon... Sinon frère, je mange mon chapeau là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ramassé des munitions, mais de quoi? De rien. Ok. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Non, c'est bon. C'est bon, je suis là. Tiens, c'est cadeau. Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. C'est sympa. J'aime bien ces petits moments... Tu peux descendre ? Non. Ces petits moments de délicatesse, là. Ça change. Abby, t'en penses quoi ?
Ah merde, putain, t'es bloqué de l'autre côté, toi. Je savais pas que tu voulais qu'on discute. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais je suis vraiment passé à côté de tout ça, moi. C'est pas possible. C'était pas ouvert à gauche. Ah mais si, ah si, ok, ok, ok. Putain, ça m'a fait flipper, j'ai vu les munitions, je me suis dit, attends, j'ai raté toute une zone. Lève, viens descendre ça. J'arrive. Ice and venting. Vas-y. Évidemment. Tu pouvais pas faire autrement. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Du calme. Ça va aller. Non, mais là... Là, on cherche l'embrouille, hein. Je peux pas juste me balancer. D'accord. Là, clairement, quand tu vois l'état des murs, ça ne trompe pas. Et maintenant, suis-moi. Ah, c'est par là. Le courant soit calme. Rien. Ok, je vais vérifier mes armes vite fait. Ah, donc j'avais bien ramassé des munitions. Là, je sens un conflit, Maître Jedi. Je sens un conflit en vous qui ne me plaît guère. Ok. Mais putain, il y a tout le temps un truc quand je me mets à avancer. Toi et ton groupe, vous avez bonne chance. Ok. Putain, c'est pas possible. Les trucs qui apparaissent quand je fais demi-tour. C'est là, non? Faut que j'aille où? Je suis à ça de chez nous. Où est-ce qu'on va? Là? Allô, le jeu? Petit indice, quelque chose? Oh la vache! Ah, toujours ce petit délire de la lampe de poche là, ça les fait marrer. Hein. Je sais pas trop pourquoi. D'accord, donc d'après toi, il y a des méchants tout moches. Je les aime pas. C'est pas possible. Mais en fait, ils sont flippants parce qu'ils sont tellement silencieux qu'on peut pas les voir avec le mode écoute. Alors les mecs qui jouent sur le mode écoute. C'est rentabilisé, hein. C'est par là? Bah j'hésite parce que j'ai pas envie de sauter dans le vide pour rien. Après ça a l'air d'être là, mais bon. Tiens, tiens. À ton avis, combien d'étages on doit encore descendre? Je sais pas. Il est grand cet immeuble. Bon bah vas-y, ramène-toi. On sait que t'es là maintenant. Attends. Est-ce que je fais une... Fallait le tenter. Et de 1. Vas-y, je vous attends, moi. Moi et mon pote Lev. Regardez. Propre. La balistique s'en souviendra.
Ouais, parce que toi c'était grillé, tu voulais me faire peur, hein. Après mon petit saut de carpe erythractum. C'est étrangement lumineux. Mais à la fois, c'est une bonne ambiance propice à me faire peur, là. Allez. Trop bien ce fusil, hein. Franchement, j'adore. Ouais, je suis trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Ben, moi aussi. Si on est coincé avec tous ces démons, c'était de l'humour. Pour le coup, il a pas tort. Hein. S'il a jamais été habitué au sarcasme, il peut pas deviner le gars. Bon, encore un truc qui va me faire sursauter. C'est ça que tu veux me dire? Oh! Qu'est-ce que c'est? Un lance-flamme. Bon, par contre. Voilà. Le lance-flamme a pas l'air très efficace sur lui. Sur lui, sur eux. Comment on les appelle ceux-là? Les rôdeurs, il me semble, non? Ok, je vais garder pour faire des petites balles. Je peux passer, c'est bon, sans me brûler. Ok, c'est pas là. Par contre, niveau vie, c'est vrai que je fais jamais attention à ma vie en fait. C'est trop bas. Le mec il cherche des excuses. C'est... Non, c'est trop bas en fait. Ok. On va avancer. Tranquillement. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter très très bientôt. Je pense même qu'on va s'arrêter maintenant. Voilà. C'est comme ça. Merci d'avoir regardé ce 31e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On va se quitter à la lumière un petit peu. Si c'est le cas, bah mettez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire. MDR, il n'y en a toujours pas. C'est un réflexe, hein, mais bon, c'est terrible. Moi, je vous dis à très très vite et abonnez-vous, surtout activez la cloche. Ciao, ciao!